Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo impression 3D et on va faire un petit comparatif entre deux imprimantes. Il s'agit de la Creality Under 3, donc imprimante que j'ai depuis un petit moment, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, et la petite nouvelle qui est arrivée il y a 2-3 semaines, qui est la AlphaWise U30. Donc j'ai pris cette imprimante là tout simplement parce que j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de débit. Donc c'est pour ça que j'ai pris une deuxième imprimante, j'ai hésité un moment à reprendre une Under 3. Et finalement, bon, je me suis dit, allez, on va changer un petit peu, je suis parti sur l'AlphaWise U30. Donc là, on va faire un petit comparatif rapide, alors pas en impression, on va juste parler un peu des caractéristiques et de mon avis sur ces deux imprimantes. Donc, quelles sont déjà les principales différences entre la Under 3 et la AlphaWise? La structure est plutôt la même, les tailles de plateau sont les mêmes. La différence réside en fait en plusieurs points. La première, ça va être au niveau de l'écran. Ici, on est sur Marlin avec une navigation au bouton qui n'est pas forcément des plus pratiques, mais qui fonctionne très bien, attention. L'AlphaWise, elle, dispose d'un écran tactile qui est par contre très très bien foutu parce qu'on a vraiment accès à tout assez rapidement, donc ça c'est vraiment top. Ce que je vous conseille, c'est un petit stylet parce que c'est un écran résistif et vous allez voir, il n'est pas à 100% agréable au doigt. Vous allez voir qu'il faut appuyer, ça prend pas forcément du premier coup. Par contre, au stylet, il fonctionne parfaitement, là, rien à dire. Deuxième différence, celle-ci a un capteur de filament que la Under 3 n'a pas. Et troisième différence, on va dire notable, le verre est déjà prélivré sur la, enfin, livré avec l'imprimante sur l'AlphaWise et pas sur la Under. Mais voilà, vous allez voir, ça ne va pas vous avancer finalement tant que ça. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, sur la Under 3, on met un verre parce que le plateau d'origine a tendance à être légèrement bombé. Et en fait, on se retrouve avec la même chose malgré qu'il y ait le verre sur l'AlphaWise. Le verre est quand même légèrement bombé. Donc il faudra investir dans un autre verre. Donc il y est, mais voilà, après il y aura des chanceux qui l'auront pas trop bombé. Moi ça reste plutôt correct encore, c'est utilisable, hein, je m'en sers sans aucun souci. Donc moi je vais retourner, j'utilise directement le verre comme je fais sur l'Under depuis maintenant un bon moment. Mais il faut savoir qu'il y a un bulletac qui est fourni, il est dessous, je l'ai retourné. Le bulletac d'AlphaWise est plutôt bien, je le préfère à celui de l'Under. Il est un petit peu plus lisse, plus facile à nettoyer. Il a une très très grosse accroche par contre, il accroche vraiment bien. Donc voilà un petit peu sur les différences, on va dire, au niveau des caractéristiques. Les deux ont la reprise après coupure de courant, comme je vous dis, dans les dimensions, elles font à peu près la même chose. Maintenant on va parler un petit peu plus du fonctionnel. Donc qu'est-ce qui se passe au déballage et aux premières impressions? Niveau montage, c'est à peu près la même chose à monter, que ce soit la Under ou l'AlphaWise. C'est à peu près le même montage, il y a peut-être, allez, un petit peu moins à faire sur l'AlphaWise, parce que celle-ci, l'alimentation n'est pas montée, mais voilà, il y a peut-être un tout petit peu moins à faire sur l'AlphaWise, mais c'est, voilà, c'est pas une grosse différence. Par contre, là où j'ai trouvé une différence, alors après, c'est peut-être moi qui suis mal tombé, je sais pas, celle-ci, je l'ai trouvée beaucoup plus pointilleuse en réglage. Au passage, si vous voyez que j'ai les doigts bleus, je viens de dépanner l'imprimante, je m'en suis mis partout, et j'ai du mal à le faire partir, donc c'est normal. Donc voilà, je l'ai trouvé plus pointilleuse au réglage, la AlphaWise, elle m'a causé plus de problèmes, il a fallu que je fasse quelques petites modifications que j'avais pas eu besoin de faire sur la Under. Les deux principales, en fait, c'est l'axe des Z, ici, j'ai dû mettre un petit roulement avec une petite pièce que j'ai trouvée sur Thingiverse pour pouvoir bien le caler, parce que sinon j'avais des stries dans mes impressions. Et la deuxième chose, j'ai dû refaire, donc d'origine, c'est un tube métallique qu'il y a pour le rouleau. Et en fait, j'en ai imprimé un de toute pièce sur Thingiverse, qui en fait en deux parties, et le rouleau supérieur, lui, est monté sur roulement. Donc vous voyez, ça prend beaucoup mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que sur ces bobines en plastique, là, par exemple, sur la ferraille, elles accrochaient trop, et en fait, je me retrouvais avec de la sous-extrusion. Des fois, l'extrudeur n'arrivait pas bien à tirer le fil. Donc ça, c'est pour moi les deux indispensables à faire dès que vous la recevez. J'ai changé aussi le coupleur, c'est un coupleur souple. Moi, je préfère les rigides, donc j'ai mis un rigide. C'est pas indispensable, mais voilà, moi, c'est juste que j'ai l'habitude de mettre des coupleurs rigides sur l'imprimante. Au niveau des buses, des têtes, tout ça, ça m'a l'air assez commun entre les deux. Les buses, je crois que c'est même d'ailleurs les mêmes, c'est pour des buses pour MK8. Donc là-dessus, pas trop de soucis. Au niveau, après, impression, on va parler un petit peu rapidement de l'impression.
La Lander clairement reste meilleure. L'AlphaWise, une fois passé tous ces problèmes de réglage, ces petits ajustements qu'on n'avait pas sur la Lander, enfin au moins sur la Lander, je trouve quand même qu'elle est un petit peu en dessous. Sur des pièces simples, vous ne verrez pas la différence, ça va très bien s'imprimer. Quand je parle de pièces simples, c'est ce genre de pièces, par exemple, tout ça. Par contre, si vous avez commencé à faire de la figurine, des choses un petit peu plus détaillées, je trouve l'impression moins propre. Parce qu'elle génère un petit peu plus, alors je crois qu'on appelle ça des blobs, c'est des petites... voilà, des petits résidus de PLA, en fait, qui font des petites comme des petites bulles un peu partout, que celle-là en fait beaucoup moins. Et puis même sur le résultat final, sur quelque chose de très précis, la Lander reste supérieure quand même. Elle reste quand même supérieure. Donc clairement, en qualité d'impression, la Lander est meilleure. Là-dessus, voilà, après avoir, peut-être qu'avec une bonne optimisation, on arrive à en sortir la même chose de l'AlphaWise. Mais clairement, voilà, la Lander reste un petit peu au-dessus. Niveau utilisation, là par contre c'est l'AlphaWise, comme je vous dis avec cet écran tactile, qui est clairement plus pratique. Moi j'aime bien cet écran tactile, j'aime bien la façon que c'est fait. Bon, même si Marine, franchement, je me suis vraiment habitué et ça me pose plus problème aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand je vais aller bouger mes moteurs, Marine, c'est dans plusieurs sous-menus. Il faut aller, je crois que c'est dans prépare, contrôle, stepper, machin. Enfin, il faut descendre dans plusieurs sous-menus. Que là on a tout sur un écran. Sur un écran, c'est comme un joystick en fait, et les flèches dessinées et on fait bouger directement. Donc côté ergonomie, l'AlphaWise est meilleur. Donc voilà, elles ont chacune leur avantage, leur inconvénient. Le détecteur de filament d'origine sur l'AlphaWise. Bon, après ça reste quand même une excellente imprimante. Il faut savoir que l'AlphaWise est légèrement moins cher que la Lander et propose un petit peu plus de prestations. Donc c'est pas déconnant non plus, ça reste une bonne imprimante. Pour le prix, ça reste un très bon prix. Moi, je l'ai touché à 161 €, ce qui est vraiment pas cher. Donc, je l'ai trouvé sur eBay, livré en France. Hein, je l'ai commandé, je l'ai reçu 2 jours après. La Lander, je crois que je l'avais payé 205 €. C'était sur Amazon il y a presque un an. On la trouve moins chère, bien sûr. On la trouve à 175 sans trop de problèmes sur les sites chinois. Donc, la différence de prix n'est pas énorme entre les deux. On parle de 20-30 €. Mais voilà, il faut prendre en compte qu'en qualité d'impression, c'est clair que la Lander sera légèrement supérieure. Après, si vous faites des pièces simples, que vous ne cherchez pas à faire de la figurine, de la haute qualité d'impression, alors là, l'AlphaWise, elle prend tout son sens parce qu'elle va avoir l'avantage voilà, d'avoir le détecteur de fin de filament, une meilleure ergonomie pour utiliser. Moi, c'est pour ça. Celle-là, elle est dédiée, moi, les imprimantes 3D, en fait, elles sont presque passées, je ne vais pas dire en industriel, mais pas loin. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, j'imprime quasiment plus pour moi. J'imprime des pièces en fait pour la vente. Et donc, en fait, elles tournent du matin au soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en continu pour produire de la pièce. Donc, c'est pour ça qu'il m'en fallait une deuxième. Donc, moi, je m'en sers un petit peu en industriel. L'AlphaWise, pour les pièces que je fais comme ça, qui ne sont pas des pièces qui demandent énormément de détails, c'est des pièces que je fais en 0,2. Donc, il n'y a pas besoin d'un détail monstrueux. Là, c'est clair que l'AlphaWise correspond très bien, il n'y a pas de souci. Une fois passé les modifications, c'est vrai que j'apprécie, je vais plus vite à passer par cet écran-là, je suis plus tranquille pour le filament, j'ai modifié la ventilation pour avoir quelque chose d'un petit peu meilleur. Franchement, elle tourne bien pour ça. Si je veux aller chercher du détail, la Lander restera légèrement supérieure. Après, ça reste pour des gammes de prix donc qui tournent aux alentours des 200 €, ça reste pour moi deux excellentes imprimantes quand même, malgré qu'une soit un petit peu meilleure sur certains points que l'autre. Après, tout dépend, voilà. Dans votre choix, ceux qui hésitent entre l'AlphaWise et la Lander, il faut voir ce que vous recherchez. Si vous cherchez de l'ergonomie, c'est l'AlphaWise. Si vous cherchez de la qualité, plus de la qualité, c'est la Lander. Même si, attention, c'est pas flagrant non plus. Vous n'allez pas avoir une pièce dégueulasse d'un côté et une super pièce de l'autre, non, c'est quand même plutôt proche. Mais vraiment, quand on va regarder dans la finesse de la pièce, si vous faites un benchy sur les deux, vous verrez que le benchy est légèrement plus propre sur la Lander quand même. Après, attention, voilà, ça reste, c'est pas flagrant. Il faut savoir que l'AlphaWise sort d'excellents résultats pour une imprimante à moins de 200 €. Ça reste très très bon. Bon, la Lander a ce petit plus-là que voilà, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sortie, elle est très appréciée et voilà, c'est vrai que ça reste une excellente imprimante. Pour vous donner un ordre d'idée, la Lander maintenant, ça va faire une dizaine de mois que je l'ai, elle tourne à peu près 6 jours sur 7
C'est à peu près ça, ouais. Du lundi au samedi, 6 jours sur 7, elle tourne à peu près 9 à 10 heures par jour. Donc elle tourne à peu près, 60 heures, grossièrement 60 heures par semaine. Donc ça fait 10 mois qu'elle tourne à peu près 60 heures par semaine. Donc très grosse utilisation, je n'ai fait qu'une seule chose dessus. C'est au niveau de l'extrudeur, donc là j'ai mis un extrudeur à lui, mais c'est tout simplement parce qu'il y avait une promo, j'en ai profité pour tout changer, et j'ai fait pareil sur l'autre, tout simplement parce que j'avais les deux extrudeurs pour moins de 15€, donc j'ai pas bataillé, mais c'était tout simplement la roue crantée, qui entraîne le fil, qui s'était un petit peu bouffé avec le temps, ce qui est totalement normal. À part ça, depuis que je n'ai strictement rien touché, aucune pièce d'usure, rien, c'est vraiment la seule chose que j'ai eu à changer, c'est cette petite poulie. Cette petite poulie, vous pouvez les acheter par 10 à 5 ou 6€. Donc c'est franchement rien du tout. Et franchement, elle tourne, mais impeccable. Les 100% d'origine, même le connecteur de l'alimentation, parce que j'ai vu qu'il y avait certains qui se plaignaient, qui noircissaient. Je compte le passer aussi avec un domino pour sécuriser un peu. Mais même ça, moi, ça n'a pas bougé. L'AlphaWise, elle n'a pas encore autant d'heures. Elle doit avoir à peu près... elle a fait avec les tests, elle a déjà fait une semaine, on va dire, entre guillemets, en production. Donc à peu près à 60 heures. Elle doit avoir 70-80 heures déjà. Pour le moment, depuis qu'elle est réglée, j'ai rien à dire. Elle fonctionne très bien. Elle a été très pointilleuse à régler, comme je vous ai dit. J'avais des soucis au départ de bras qui n'étaient pas alignés. J'avais 1 cm de différence, en fait. Et j'ai compris, c'est tout simplement que quand elle descendait, ici, elle accrochait un peu. Et tout simplement, elle n'était pas droite. Comme elle accrochait, lui descendait, le bras suivait moins. Et ça, par contre, voilà, c'est un défaut que je lui ai trouvé. Je trouve que les excentriques sont moins pratiques sur la Ender. Alors, c'est peut-être une impression, mais... j'ai galéré parce que les roues, en fait, même en desserrant à fond sur le bras, je suis encore légèrement trop serré. Donc ça, et on peut pas jouer sur les trous. Donc ça a un avantage et un inconvénient. La Ender avait l'inconvénient que, comme c'était pas un montage vraiment fixe, on pouvait bouger un petit peu, il avait l'inconvénient qu'il fallait bien la régler quand on la montait. Celle-ci, il n'y a pas ça parce que c'est directement des trous directs. Mais du coup, quand on a un souci, on ne peut pas vraiment lui donner de lâche. Donc c'est un petit peu le défaut. À part ça, dans sa conception, elle est franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a juste une seule chose qui me fait peur, c'est l'alimentation, le ventilo est en dessous. Alors moi, je l'ai légèrement surélevé, c'est surtout pour le bruit avec des petits tampons. Mais je trouve que le ventilo, il crache directement sur la table, surtout quand vous la posez directement. J'ai pas eu de problème de chauffe, hein, surtout qu'il a fait chaud ces derniers temps, elle a pas mal tourné. Mais quand même, la carte mère n'est pas ventilée non plus, contrairement à la Ender, mais ça n'a pas l'air de chauffer plus que ça. Autre modification que j'ai faite, j'ai oublié d'en parler, c'est les tail smoothers. Autant sur la Ender 3, franchement, ça ne sert à rien. Ne vous embêtez pas à mettre des tail smoothers sur la Ender 3, vous ne verrez pas la différence. Autant sur l'AlphaWise, c'est indispensable. Parce que vous allez avoir l'effet un petit peu peau de saumon sur les impressions. Et donc voilà. Ça, encore une fois, 3 tail smoothers, ça vaut une dizaine d'euros sur Amazon. Si vous les prenez en Chine, des fois, vous en avez même 5 pour 11 ou 12 euros. Donc ça, c'est pas mal à faire. Mais voilà, donc voilà, j'avais oublié tout à l'heure dans les indispensables, quand vous la recevez, les indispensables, c'est ça. C'est tail smoother, caler l'axe des ailes, ici, la tige filetée, et modifier le rouleau de la bobine. Enfin, le porte-bobine, en fait, pour faire quelque chose qui glisse mieux. Une fois que vous avez fait ces trois choses, vous pouvez vous limiter là et elle va fonctionner très bien. C'est la petite différence avec la Ender 3 qui, elle, sortie de boîte sans aucune amélioration, fonctionne très bien. Parce que moi, en amélioration, quand on fait le tour, ici j'en ai fait beaucoup en fait, sur l'Ender, j'ai quasiment rien en amélioration. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je vous ai montré en vidéo, j'ai fait quelques petits trucs par-ci, par-là. Celle-ci, oui, parce que derrière, il y a un support pour tenir la fiche du plateau chauffant, pour pas que ce soit la fiche qui travaille quand ça bouge. J'ai modifié l'extrudeur, bon, pas que l'extrudeur soit mauvais d'origine, hein, mais j'en avais profité. J'ai refait la ventilation parce que je trouve que ça rafraîchissait pas assez. Et encore, je trouve que ce ventilo fait beaucoup de bruit et souffle pas forcément énormément. Mais bon, pour l'instant, ça tourne. Donc voilà, grossièrement, pour faire entre guillemets un petit comparatif entre ces deux imprimantes. Moi, je vais la classer ergonomie qualité, même si, comme je vous dis, c'est pas flagrant. J'ai presque même envie de dire que l'ergonomie de l'AlphaWise va couvrir son petit manque de qualité face à l'Ender. Ce que je veux dire, c'est que voilà, l'ergonomie est un gros point sur celle-là, plus gros que la perte que vous allez avoir en impression. Après, à vous de voir, voilà, celle qui vous convient le mieux.
Mais les deux restent, voilà, moi ces deux imprimantes restent très bien, surtout la Ender, je peux que la conseiller, comme je vous dis maintenant, ça fait un moment que je m'en sers. Moi c'est une imprimante, franchement, pour le prix, je la trouve juste excellente. Je la trouve vraiment excellente, c'est pour ça que je voulais l'AlphaWise qui est un peu dans la même gamme de prix, dans le même style, pour comparer. L'AlphaWise, pour moi, voilà, il y a eu des départs un petit peu plus chaotiques. Donc quelqu'un qui va débuter dans la 3D, la Creality est peut-être meilleure. Parce que celle-ci, moi, ça m'a pas posé problème dans le sens où dès que j'avais des soucis, je comprenais d'où ça venait maintenant avec l'expérience. Donc ça m'a pas posé problème, ça a été juste du temps, faire des essais, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai vu de suite où ça posait problème. J'ai fait aussi une petite recherche sur Internet, voir si voilà, il y avait d'autres soucis qui étaient connus. L'Ender, voilà, si vraiment vous débutez, tant pis, vous allez perdre en ergonomie d'écran, mais elle va être un peu moins pointue à régler. Alors quand je dis pointue, attention, c'est comme je vous dis, c'est au niveau des améliorations. Après, une fois que vous avez passé ces 2-3 petites améliorations de départ, franchement, elle est peut-être même plus agréable à utiliser. Mais voility, pour débuter, peut-être la Creality. Après, ça dépend un peu ce que vous recherchez. Mais j'en déconseille aucune des deux. J'en suis pleinement satisfait. Bon, après, il faut savoir que c'est quand même, entre guillemets, deux références. C'est un peu comme... c'est toujours un peu comme la CR10. CR10 d'ailleurs que j'ai un petit peu hésité, mais c'était vraiment un manque de place. J'ai failli partir sur une CR10. Après, je me suis dit c'est dommage parce que je fais que des petites pièces et devoir chauffer un grand plateau à chaque fois, ça sert à rien. Donc, c'est vrai que c'est ça qui a fait mon choix sur un équivalent. Et je voulais tester autre chose que la Ender parce que je voulais pas reprendre forcément une deuxième Ender. Mais voilà, moi j'en suis très satisfait des deux. C'est sûr que j'avantage un petit peu la Ender parce que je la pratique depuis maintenant un bon moment. Même si j'ai réussi quand même déjà à me faire une idée de l'AlphaWise. Mais voilà. Mais sinon, ça reste, voilà, comme je vous dis, deux très bonnes imprimantes. Quelques petites particularités sur l'AlphaWise qui sont un petit peu dommages. Le bouton d'allumage qui se retrouve derrière et le lecteur de carte micro SD qui se retrouve derrière. Bon, mais ça, vous pouvez utiliser, je l'avais déjà fait sur celle-ci. Pour pas utiliser le port d'origine, parce que je me suis dit si je grille le port d'origine, je grille la carte mère. Enfin, Donc j'étais passé par une extension que j'ai mis ici. J'ai fait la même chose sur l'AlphaWise pour le ramener. J'ai l'extension qui est ici sur le côté dans le cache écran que j'ai imprimé. Au niveau des pièces d'ailleurs, en parlant de cache écran, tout ça, au niveau des pièces, c'est comme l'Ender, vous trouvez sur Thingiverse énormément de pièces à imprimer pour améliorer cette imprimante là. Donc là-dessus, par contre, franchement, le catalogue est presque aussi complet que sur l'Ender. Après voilà, ça reste, comme je vous dis, ça reste deux modèles qui sont très connus, où vous n'aurez pas trop de mal à trouver de l'info, même si la Ender a un peu plus, je veux pas dire le monopole, mais a tellement été vendu à un moment que on entend un petit peu plus parler, mais l'autre n'est pas ridicule. Après tout dépend voilà de ce que vous recherchez et du prix où vous allez trouver aussi, c'est ça qui va y jouer sur le moment. Si vous avez, je sais pas moi, 40€ de différence, ouais, ça vaut le coup d'économiser 40€ et passer sur l'AlphaWise. Vous n'allez pas non plus perdre une qualité monstrueuse. Après, si vous faites vraiment, oui, que de la figurine, des choses, quelqu'un, y a des gens voilà, qui achètent des imprimantes 3D juste pour faire de la figurine, des choses comme ça, ou des décors de maquettes, là, partez sur la Ender, ouais, plutôt. La Ender va vous satisfaire un petit peu plus. Si vous faites des pièces utilitaires, vous voyez un peu comme mon tableau d'outils derrière, que de la pièce utilitaire comme ça, vraiment de la pièce atelier, l'AlphaWise va être parfaite pour ça, il n'y a aucun problème. Je vous dis, sur des petites pièces comme vous avez en face, il n'y a pas de problème. Les deux sortent la même qualité. C'est vraiment, je parle vraiment quand on passe sur du très détaillé. Donc voilà un petit peu pour ces deux imprimantes-là. Je reviendrai peut-être un petit peu dessus si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres choses. Alors si, juste petite chose, j'ai pas parlé du bruit entre les deux. L'AlphaWise est bruyante niveau ventilateur, par contre est un petit peu plus silencieuse niveau moteur que la Ender. C'est la seule différence, mais bon, ça reste quand même plus ou moins kiff-kiff entre les deux. Ça reste deux imprimantes voilà, qui font à peu près le même bruit, donc là-dessus... mais c'est vrai que la ventilation elle fait plus de bruit qu'elle ne ventile sur l'AlphaWise, ça c'est un peu dommage. On le voit dans les détails, peut-être que la Creality voilà, est un petit peu plus chère, parce que dans les détails, ben, on a des ventilos qui sont, même s'ils ne sont pas exceptionnels, qui sont un peu meilleurs, mais le ventilo qui refroidit le PLA, ici, on a quand même quelque chose qui ventile très bien, ici, on est sur un ventilo, tout ce qu'il y a de plus basique, donc voilà. Voilà grossièrement pour ça, donc comme je vous ai dit, je reviendrai dessus. Je vais essayer aussi dans la semaine de vous sortir, dans la semaine ou semaine prochaine,
Une autre vidéo, parce que je veux parler, mais alors là ça n'a rien à voir avec l'impression 3D, on va revenir un peu sur l'entreprise. Et on va parler un petit peu de tarifs, parce que j'ai entendu pas mal de choses ces derniers temps, et je voulais faire une petite vidéo pour parler un peu de tout ça. Voilà, allez, sur ce, on est déjà à 20 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère que je vous ai donné assez d'infos, même si je me suis pas mal répété. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.